Coucou. Bon, ben, bonjour à toutes. Ben, je viens vous. Ben, on est. Quel jour? On est mardi 22 février. Et puis, ben, comme je n'ai pas fait de vidéo hier, dimanche, j'étais dans mon petit cocon en train de tricoter. Je suis en train de faire un petit pull gris et tout ça. Donc, ben, j'ai dit ce matin, enfin, ce matin, il est midi 1 heure, je ne sais pas quelle heure il est. Je vais quand même leur montrer un petit point que j'ai appris. Je l'ai appris, j'ai dit tiens, je vais essayer de leur montrer comment moi je fais. Bon, je ne vous cacherai pas que j'ai fait 2 fois la vidéo, 3 fois même la vidéo, parce qu'on voit que mes mains. Donc je ne peux pas vous montrer, j'arrive pas à vous montrer comme je voudrais. Alors je vais essayer de le faire face à la caméra, mais ça m'étonnerait que ça passe. C'est pour faire un point comme ça. Voilà. Ça fait des petits V avec des petits jours, mais est-ce que je vais arriver à vous montrer? Vous l'avez vu en miniature, je veux dire, la miniature que j'ai faite, c'était le premier essai que j'avais fait. Donc, pour ça, il vous faut un nombre de mailles divisible par 4, plus 2. Bon, là, moi, j'en ai mis 22. Hein, 5 fois 4, 20, plus 2, les 2 mailles lisières. Voilà. Donc, j'ai fait. Du point mousse, j'en ai fait 2 rangs, c'est tout. Hein, ça me fait... Après, vous, si vous faites un travail, vous faites des côtes ou vous faites plus de mailles. Hein. Et j'ai fait 2 rangs jersey. Un rang en endroit, un rang en envers. Donc, pour débuter, il faut. Alors, est-ce que je vous montre comme ça? Si ça ne va pas, j'essaierai de tourner la caméra. Je ne sais pas encore comment je vais faire. J'ai tout mon fil que j'ai défait. Donc, la première maille, c'est la maille lisière, ben comme d'habitude, hein, moi je la tricote pas. Ensuite, vous allez compter 2 mailles. Une, deux. Et entre la deuxième, ah ben oui, vous n'allez pas voir. Donc, attendez, je vais tourner. Voilà. Entre la deuxième et la troisième, vous allez chercher une maille, vous voyez, dans le jersey là. Vous avez le jersey. Vous allez chercher une maille au milieu, comme ça. Une, deux, vous piquez et vous ramenez une maille assez lâche, bah, pas trop lâche et pas trop serrée non plus. Ensuite, vous tricotez 4 mailles. Une, deux, trois, quatre. Vous allez repiquer dans la maille que vous avez piquée là. Tout à l'heure, enfin le premier maille lâché là. Vous allez repiquer une maille et vous en ramenez, vous ramenez. Comme ça, c'est pas facile. J'y arrive pas. Attendez, je vais pas lâcher parce que voilà. Je vais, voilà. Et je ramène ma maille. Ah, elle veut pas venir. Comme un fait exprès, je vais vous montrer. Allez, voilà, non, elle est parvenue. Donc, on pique. Et, je suis tellement mal placée que... Attendez, elle va venir, mais... Non, c'est pas ça non plus. Et en plus, je lâche mes mailles. Alors, attendez. Un, deux, on y retourne. Je pique dans le trou. Et je ramène une maille. Voilà, je l'ai eu. Vous voyez, ça fait un petit V. Pour compter 2 mailles, une, deux. Piquez la deuxième maille en dessous, entre la deuxième et la troisième. Comme ça. Je sais pas si vous voyez, oui. Vous ramenez une maille. Celle-là est toujours plus facile à ramener que la deuxième. Vous refaites 4 mailles. Un, 2, 3, 4, et vous revenez chercher une maille dans le trou, dans le premier trou là que vous avez fait. Voilà. Hop. Et hop. Comme ça. Vous recomptez 2 mailles. Vous allez entre la deuxième et la troisième, vous piquez au milieu. Vous allez chercher la maille. Hop. Vous voyez, ça vous fait une maille toute lâche.
Vous entrez côté 4. 1, 2, 3, 4. J'espère qu'on ne voit pas que mes mains encore comme tout à l'heure parce que je ne vais pas recommencer 4 fois, ça m'étonnerait. Ensuite, eh ben, vous, là, comme on en a tricoté 4, vous allez rechercher une maille dans le trou de tout à l'heure. 1, voilà. Hop. Comme ça. Vous recomptez 2 mailles, vous allez là, en dessous, entre la deuxième et la troisième, 2 rangs en dessous. Vous ramenez une maille, vous entrez côté 4. 2, 3, 4. Et vous allez rechercher une maille en dessous. Voilà. J'espère que vous voyez, parce qu'avec mes mains, je ne sais pas si vraiment vous voyez bien. 1, 2, vous piquez entre la deuxième et la troisième, 2 rangs en dessous. Vous ramenez une maille. Lâche. Entrez côté 4, 2, 3, 4. Et vous allez rechercher une maille dans le même trou. Si elle veut bien venir avec moi. Aussi celle-là. Oh, c'est pas possible. Hein. Elle veut pas venir. Hein. Attendez. 1, 2 et 3. Non, je ne l'ai pas non plus. Et en plus, je vais lâcher mes mailles à tous les coups. Ah oui, j'ai dû en lâcher. Non, j'en ai pas lâché. Donc. Ah ben, pour vous expliquer ça, c'est pas, hein, vous allez dire, voilà. Et vous tricotez la dernière maille lisière, normalement. Voilà. Donc, ça vous fait des petits groupes. Ça vous fait des petits groupes comme ça. Voilà. Alors, après, sur l'envers. Sur l'envers. Vous allez passer votre première maille normalement, hein. Comme ça, vous mettez votre fil comme si vous alliez tricoter à l'envers. Mais la maille que vous avez été tirée, qui est assez lâche, vous la glissez sur l'aiguille. La glissez sur l'aiguille comme si vous alliez la tricoter à l'endroit, mais vous ne la tricotez pas. Et vous tricotez vos 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Vous gardez votre fil comme ça. Vous avez une maille que vous avez été tirée. Vous la glissez comme si vous alliez la tricoter, mais vous la tricotez pas. Vous glissez l'autre. Il y en a deux, deux à la suite. Vous les glissez et vous faites vos 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Vous glissez la maille. Vous glissez l'autre maille, et vous retricotez 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Vous glissez la maille, alors toujours comme si vous alliez la tricoter à l'endroit, mais vous la tricotez pas. Vous glissez l'autre maille, elles se suivent, hein, les deux qu'on a été tirées. Et vous tricotez 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Vous glissez une maille, l'autre maille. Et vous tricotez à l'envers les 4 prochaines. 1, 2, 3, 4. Et vous glissez, il en reste une, là, la première qu'on avait passée, vous la glissez aussi, hop, et hop, vous finissez. C'est pas sorcier, mais il faut arriver à piger le coup. Moi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, hein, donc c'est pour ça aussi que je. Donc, ça vous donne ça pour l'instant.
Après, vous faites un troisième rang. Alors, le troisième rang, vous faites votre maille lisière, bon, vous la passez. Et alors, la maille que vous avez glissée, vous allez la soutenir avec votre doigt. Et vous allez tricoter à l'endroit la maille qui est tout de suite derrière. Et vous laissez tomber la maille que vous aviez passée. Vous tricotez deux mailles. Un, deux. Et vous glissez la maille que vous avez glissée, vous la passez par-dessus la quatrième maille, par-dessus, comme ça. Et vous tricotez la maille, la quatrième. Alors, je recommence. Vous avez votre maille que vous avez glissée. Vous la maintenez. Vous tricotez la maille qui suit. Vous faites tomber la maille. La faites tomber. Elle est maintenue par la maille que vous avez tricotée là. Vous en tricotez deux autres. Une, deux. Et la maille qui est glissée, vous la passez par-dessus la quatrième. Comme ça. Et vous tricotez la quatrième. Ça, vous allez vous retrouver avec vos mailles du départ. Donc, la maille là, celle qui a été glissée, vous la maintenez. Vous tricotez la première à l'endroit, ça en fait une. Celle-là, la glissée, ben, vous la laissez tomber. Tac. Vous en tricotez deux. Alors, ça fait une, deux, trois. Vous laissez tomber l'autre que vous avez glissé et vous tricotez la quatrième. Voilà. Alors on recommence. Vous maintenez la maille que vous avez glissée, vous la maintenez, vous tricotez la première des quatre si vous préférez, la première. Celle-là que vous avez glissée, ben vous la laissez tomber. Elle est maintenue par la première maille. Vous tricotez deux autres, ce qui fait trois mailles. Celle-là, vous la glissez par-dessus, comme ça, et vous tricotez la quatrième. Et on continue. On tricote celle qui est en dessous. On laisse glisser la maille, comme ça. Ça fait deux, ça fait trois. On passe celle-là par-dessus. Et on fait la quatrième. Voilà. Ce qui vous donne ce point-là. Alors, après, ben, on revient tout à l'envers. Deux, trois, quatre, cinq, six. 7, 8, 9, 10, je dois en avoir 22, hein. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, ça vous fait ce petit dessin-là. Alors après, pour faire en quinconce, ben là, on a commencé. Alors, je vais vous faire les deux, trois premiers motifs, hein, parce qu'après, ça sera toujours répétitif. Là, vous faites votre maille lisière. Et comme on a commencé par deux au premier rang, là, et ben là, on va commencer par quatre mailles. La maille lisière et quatre mailles. Un, deux. 3, 4. Vous en... Attendez, que je dis pas de bêtises. Non, on n'a pas commencé par ça, on a commencé par 4 mailles. J'ai des bêtises encore un coup. Voilà. On a commencé par 2 mailles. Là, on va recommencer par 2 mailles. Non, ici, on n'a pas commencé par 2 mailles. Là, vous commencez par 2 mailles et vous allez chercher
Alors, vous voyez, entre les deux dessins, il y a un trou ici, là. Ici. Ben, vous allez aller piquer. Ça, par le fait, ça vous fait entre la deuxième et la troisième maille. Et vous allez chercher votre maille. Et vous recommencez. 1, 2, 3, 4. Vous allez chercher votre maille dans le trou. Là, ça va être plus simple parce que le trou, on le voit. Pour compter 1, 2, vous allez dans le trou, là. Vous tirez une maille. Comptez 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Vous allez dans le trou, ce qui est beaucoup plus simple parce que maintenant il est formé. Vous tirez une maille. Voilà. Pour compter 1, 2, après vous n'avez pas besoin de compter parce que vous le voyez le trou là. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez le trou, mais vous le voyez. Vous piquez dedans. Vous ramenez une maille. Vous faites 1, 2, 3, 4. Vous allez rechercher une maille. C'est le premier rang qui est beaucoup plus compliqué. Après, ça va mieux. Hein. C'est pour ça que je. Après, ben, vous rebolote. Vous allez piquer en dessous. Vous tirez une maille. 1, 2, 3, 4. Vous allez rechercher votre maille. Hop. Là, c'est beaucoup plus simple, ça vient plus facilement. Et après, vous tricotez les deux dernières et la maille lisière normalement. Après, ben, sur l'envers, vous refaites pareil, le même travail que vous avez fait là. Moi, je veux bien le faire encore, hein. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps encore sur ma caméra. Donc, vous passez votre maille lisière. Mettez votre fil devant. Vous tricotez les deux mailles qui se présentent à l'envers. Après, vous glissez la maille comme si vous alliez la tricoter, mais vous ne la tricotez pas. Vous faites. Il m'en manque une là. Non, c'est ça. Vous tricotez 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Vous glissez votre maille, vous glissez l'autre maille et vous retricotez les 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Vous glissez la maille comme si vous alliez la tricoter. 1, 2, elles se suivent de toute façon. Vous tricotez à l'envers. 1, 2, 3. 4, vous glissez 1 et 2, vous tricotez 4, 1, 2, 3, 4, vous glissez votre maille et vous tricotez les deux autres. Voilà. Voilà, ça doit vous faire un petit motif comme ça. Après, ben, vous revenez, comme je vous ai montré le premier rang, hein, enfin le premier motif. 1, 2, 3. Vous glissez. Alors celle-là, c'est. Attendez que je ne me trompe pas. Oui, vous tenez la maille. Vous la tenez. Vous tricotez celle qui se présente en dessous. Et vous laissez tomber la maille. Tricotez deux mailles. 1, 2. Vous glissez celle-ci par-dessus. Et vous tricotez celle-là qui est votre quatrième. Donc vous la maintenez, la première, enfin la maille glissée. Vous tricotez celle qui vient tout de suite derrière et vous laissez tomber. Alors, vous la laissez tomber. 1. Alors, attendez que moi je la récupère avec l'aiguille, voilà, vous la laissez tomber. Et vous retricotez 1,
2, vous passez la maille par-dessus et vous tricotez la maille. On va aller jusqu'au bout du rang comme ça. Alors, vous tenez votre maille, vous tricotez celle qui se suit, celle qui suit, vous laissez tomber, vous la passez par-dessus l'aiguille gauche, vous la laissez tomber, vous en tricotez 2, 1, 2, vous passez celle-là par-dessus, vous la glissez, vous la laissez tomber, et vous tricotez la quatrième. Celle-là, vous la tenez, vous allez chercher celle qui est en dessous, vous faites tomber votre maille, hop. Par le fait, la maille que vous faites tomber, c'est la maille-là qui la retient. Et après, vous tricotez 2 mailles, 2, vous passez celle-là par-dessus, hop, et 4. Et puis après, hop. Voilà. C'est laborieux, mais on y arrive. Hein. Après, bah, vous revenez tout à l'envers. Et après, vous reprenez le même dessin que là. Et après, ça vous fait un beau petit point. Voilà. Alors, j'espère que ça va aller, que vous avez bien compris un petit peu. Bon, c'est pas compliqué, hein, mais ce qu'il y a, il faut être à son aise. Parce que là, travailler en travers, sur la table, avec les coudes sur la table, je vous dis, c'est pas facile. Si vous êtes dans votre fauteuil, si vous reprenez bien, vous allez y arriver. Et ça vous fait un petit point avec des petits V et des petits jours. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Et puis, essayez, entraînez-vous si ça vous plaît ou dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bisous !